Monsieur Mohamed Skandar, bonjour. Bonjour. Je ne voudrais commencer cette émission avant une pensée profonde pour notre ami et collègue Abdou Sarwani qui nous a quittés, qui aimait la nuit. Il est parti dans l'ombre à la nuit tombée pour rejoindre tous nos collègues qui l'ont précédé. Alors, Allah irahmou. Monsieur Mohamed Skandar, je voudrais vous poser la question. 5 juillet, fête de la jeunesse, fête de l'indépendance. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. L'entrepreneuriat et la jeunesse, est-ce qu'on pourrait y croire de façon effective aujourd'hui, monsieur Skandar? Alors oui, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Bon, toutes mes condoléances à la rédaction aussi. La jeunesse, c'est un thème très important. En Algérie, comme on le sait, où la grande part de la population a moins de 30 ans, aujourd'hui c'est un pays jeune, même dans toute la région, c'est un des pays les plus jeunes. Et le pays va se construire et se construit aujourd'hui avec sa jeunesse. Donc nous, on s'est saisi d'un sujet en particulier sur la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de sujets, hein. Des sujets culturels, sociaux, économiques. Nous, on s'est saisi du sujet de l'entrepreneuriat au GILFCE parce qu'on estime que ces jeunes-là vont devoir créer, pour bonne partie d'eux, des entreprises qui seront capables de porter l'économie de demain et de créer les emplois nécessaires pour absorber toutes ces personnes qui arriveront sur le marché du travail. Donc c'est vraiment un enjeu national aujourd'hui, ça concerne tous les Algériens. C'est pas un débat d'élite économique, hein. C'est-à-dire tous les Algériens doivent être associés à ce débat sur la création d'entreprises des jeunes. Est-ce qu'on peut considérer que l'entrepreneuriat c'est l'avenir en Algérie, monsieur Skandar, de façon objective? Alors oui, je pense, hein, y a plusieurs modèles dans le monde, hein. Il y a des pays qui ont des grandes sociétés qui tirent l'économie et d'autres qui, comme l'Allemagne, ont beaucoup de PME et qui arrivent même à exporter. Je pense qu'en Algérie, on s'oriente vers un modèle où il y aura beaucoup de création de PME, et c'est les PME qui vont porter la solidité économique du pays. Aujourd'hui, les jeunes doivent prendre conscience et créer cette culture économique. Je parle de tous les jeunes d'ailleurs, il y a ceux qui vont créer les entreprises, ceux qui ne vont pas les créer, mais il faut que toute notre jeunesse puisse acquérir ces réflexes d'économie de marché, ces réflexes d'offre et de demande. C'est quelque chose, la vulgarisation que nous on fait est encore marginale par rapport à ce qui devrait être fait. Par contre, il y a une conscience prise au niveau des institutions sur ce sujet, hein. On a le groupe programme ENSEJ qui prouve que la décision était clairement prise de choisir l'axe de l'entrepreneuriat pour créer ces emplois. Alors, jeunes et entrepreneuriat, comment en soutenir et encourager? Quels moyens mettre en place aujourd'hui pour encourager la création de la PME, la petite entreprise ou alors les start-up, monsieur Skandar, de façon effective? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour encourager les jeunes? Hormis, bien sûr, l'ENSEJ et la CNAC que nous connaissons déjà. Alors, très bien. D'ailleurs, vous faites bien de marquer un peu la différence entre PME et start-up, hein. Il y avait un papier très bien fait là-dessus de Abdellah Malek du Syllabs là-dessus qui expliquait un peu que, ça c'est pour les auditeurs, mais qu'une start-up c'est une société qui naît, mais qui a vocation à devenir grande et internationale, au moins nationale. C'est-à-dire que le modèle des start-up c'est d'avoir un produit qui peut s'étendre et atteindre des marchés. Donc on est un peu sur un schéma différent de la PME qui elle a vocation à rester moyenne, mais qui est tout aussi importante. Voilà. Donc pour votre question sur le modèle, en fait, aujourd'hui, on a plusieurs dimensions, plusieurs axes à aborder. On a d'une part l'écosystème à créer. Cet écosystème, c'est d'une part le cadre juridique fiscal, c'est l'environnement, mais c'est aussi le financement. Nous, quand on échange avec nos membres, on nous parle souvent de financement, mais on s'est rendu compte en échangeant avec les institutions financières, parce que notre rôle au GILFCE, c'est de porter la voix de ces jeunes, qu'il y a des mécanismes qui existent aujourd'hui. On a l'ENSEJ qui est un des plus gros programmes de la région. On a les fonds de wilaya. C'est très étonnant parce que toutes les wilayas ont été dotées de fonds qui sont gérés par plusieurs organismes comme Jazir Istitmar, Finalep, Sofinance. Mais ces fonds sont très peu utilisés. Donc on est retourné auprès de nos membres et on s'est rendu compte que le problème est plutôt un problème de communication aujourd'hui. C'est de comprendre les mécanismes pour lever des fonds. Et pour y répondre. Donc aujourd'hui, pour lever des fonds, il faut avoir une certaine transparence dans sa comptabilité. Il faut respecter certains ratios. Par exemple, quand on lève de la dette, un ratio de fonds propres suffisant. Si on n'a pas les fonds propres nécessaires, il faut aller les chercher. Tous ces aspects-là, on travaille dessus, nous, pour vulgariser ces concepts.
Mais aujourd'hui, vous parlez d'avoir le réflexe pour aller vers l'entrepreneuriat. Est-ce que nous parlons de façon effective ou virtuelle? Nous savons que par le biais de l'ANSEJ, il y a eu pas moins de 300 000 micro-entreprises qui ont été créées ces dernières années. Je pense que c'est un peu 45 000 hein, plutôt. Est-ce que on peut donner des chiffres et des indicateurs réels sur la micro-entreprise, ou alors nous n'avons pas les chiffres exacts? Statistiques exactes. Votre premier chiffre était bon. Je pense que l'ANSEJ, depuis sa création, voilà, c'est plus de 300 000 créations d'entreprises. Nous, aujourd'hui, on a des données sur les entreprises en général. On a un stock d'entreprises d'un peu près moins de 200 000 entreprises. Et on a 1,7 million à peu près de personnes physiques. C'est pas encore suffisant pour l'Algérie. Hein, si on compare à la France, chaque année, il y a 600 000 entreprises qui se créent. Pour une population qui est de 66 millions, quand nous, on a une population de 42 millions. Donc, on doit encore faire des efforts là-dessus. Mais comme je disais tout à l'heure, si on veut créer plus d'entreprises, il faut que l'environnement et l'écosystème se créent. Il faut que les jeunes puissent... Ça, on donne souvent cet exemple, c'est que dans nos membres, il n'y en a pas énormément qui ont levé des fonds. Mais lever des fonds, ça demande aussi que les investisseurs en face soient organisés. Il y a le concept de business angels. Je ne sais pas si vous cernez un petit peu la notion. C'est dans les premières années de l'entreprise, ce sont des particuliers en général qui ont des fonds et qui, au lieu de mettre leurs économies dans l'immobilier ou sur des placements à terme ou autre, préfèrent investir dans des startups. Ça a commencé à émerger en Algérie, mais ce n'est pas encore organisé. C'est-à-dire qu'il y a des particuliers qui choisissent comme ça au feeling quelques startups, mais normalement un business angel a un cadre, il investit dans par exemple 10, 20 startups. Parce qu'il sait qu'il y en aura peut-être deux ou trois qui vont émerger et qui vont lui donner des gains suffisants pour combler ses éventuelles pertes sur les autres. Nous, en Algérie, aujourd'hui, on a des cas comme ça isolés de financement de particuliers, de start-up, mais nous, ce qu'on aimerait, d'ailleurs, je pense qu'à la rentrée, on va annoncer des mesures dans ce sens, c'est de créer une communauté de business angels, donc tous les grands industriels que vous connaissez qui auraient des trésoreries excédentaires, tous les particuliers, même à une échelle plus basse, hein, qui souhaiteraient investir, on va les essayer de les briefer, de leur dire voilà comment on sélectionne une start-up et comment on investit. Et dans le même axe, on va demander aux jeunes porteurs de projets d'affiner leur discours pour convaincre ces investisseurs. Parce que c'est très important, c'est d'apprendre à convaincre et ce qu'on appelle pitcher un investisseur. C'est quasiment un copier-coller de système américain. C'est les grandes entreprises qui financent les micro-entreprises ou les start-up. C'est pratiquement le même système que souhaitait aujourd'hui dupliquer. C'est vrai que les États-Unis, là-dessus, c'est le pays pionnier un petit peu et c'est un modèle. Je pense que sur l'aspect économique, on peut très bien s'inspirer des États-Unis, autrement prendre le pays qui a le mieux réussi sur ces sujets-là. Aux États-Unis, il y a des. Si on prend les grands porteurs de projets, si on prend un Elon Musk aujourd'hui qui est reconnu comme un innovateur. Ben, une grande partie de ses revenus, il est réinvesti dans des entreprises, des start-up. Il a déclaré récemment qu'il n'investit pas en bourse et qu'il investit dans une entreprise qu'il comprend et dont il voit le potentiel. Nous, de la même manière, on doit s'inspirer de ce sujet pour que les entreprises elles-mêmes refinancent des start-up. On en a parlé récemment, on a eu, en marge de l'événement Algérie Smart City, un échange avec la SFI, la Société Financière Internationale, donc la filiale de la Banque Mondiale. Et le thème, c'était un petit peu qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais business angel. Et on a pu indiquer aux jeunes qui étaient présents dans la salle comment choisir un business angel. On leur expliquait, certes, il va faire un apport en fonds, mais il va aussi apporter d'autres choses. Il va apporter une connaissance du marché, il va apporter un réseau. Et on a établi que le meilleur modèle qui a fonctionné en Algérie, c'était des business angels qui investissaient dans leur propre secteur. Un industriel dans l'agroalimentaire repère une start-up qui améliore son produit, il est investi à double titre, en tant que financier, mais aussi en tant que client. C'est le premier marché de la start-up. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien en Algérie. Alors ce que nous relevons, c'est au niveau des statistiques, nous avons l'équivalent de 12% de taux de chômage à travers le territoire national. Les demandeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les porteurs de projets, sont en constante augmentation. Ici, en l'équivalent de 6%, c'était les chiffres annoncés en 2016. Mais avec les banques, est-ce qu'on peut parler de financement direct de porteurs de projets, ou alors il y a cette frilosité à l'égard des jeunes quand ils portent des projets? Présenter aussi des garanties. C'est vrai. Alors voilà, nous, quand on fait les enquêtes auprès de nos membres,
on relève que beaucoup se plaignent de cet aspect-là. On n'a pas accès au financement et de toute façon, c'est fait que pour les personnes qui ont déjà des très bonnes Mais vous garanties. Semblez que les membres du FCE, vous n'êtes pas ouvert aux autres? Si, nous, dans les enquêtes, on utilise les membres du FCE parce que c'est un panel qui est là disponible. Mais par contre, dans nos ateliers, ils sont tous ouverts à toutes les personnes intéressées. On n'est pas restreint sur les membres du FCE, c'est très ouvert. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que les jeunes se plaignent, chez nous en tous les cas, du financement. Mais en parallèle, quand on se rapproche des institutions financières, on se rend compte qu'il y a quand même des dispositifs qui existent. Et qui sont, si on compare à ce qui existe dans notre pays, même au nord de la Méditerranée, ils sont plutôt, plutôt intéressants en Algérie. On a des accès, on a l'ANSEJ, on a le FGAR, on a des mécanismes de gestion des garanties qui existent au niveau des banques. Nous, on est en train de signer des conventions avec des banques, dont le CPA par exemple, qui proposent des systèmes de garantie pour les jeunes qui n'ont pas moyen d'apporter une hypothèque ou autre. Donc aujourd'hui, les mécanismes existent sur le papier, ils sont totalement favorables au développement de l'entreprise. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un, la communication, c'est-à-dire que nos jeunes entrepreneurs soient au courant de tous ces dispositifs et puissent apprendre à s'en servir. Ça, c'est la grosse défaillance, je dirais, aujourd'hui. Hein. Donc qu'ils apprennent à connaître et à ces systèmes. Et deux, qu'ils apprennent à répondre à ces critères. C'est-à-dire quand une banque dit il me faut 30% de fonds propres pour vous financer, c'est une ligne rouge pour cette banque, c'est-à-dire elle peut baisser un petit peu, mais il faudra le respecter. Donc, charge aux jeunes entrepreneurs d'aller chercher ses fonds, même si ce n'est pas les siens, d'aller chercher ses fonds pour répondre à cette règle bancaire. Voilà. Donc ça, on travaille dessus. Mais est-ce que ce n'est pas un handicap, les 30% exigés par les banques, pour créer sa propre entreprise? Alors moi, je pense que ça c'est notre position, nous, au GIL-FCE. Je pense que c'est important qu'on conserve un petit peu ces règles. Faut qu'on apprenne aussi à nos membres et nous-mêmes, moi-même je suis passé par là, qu'il y a ces règles à respecter. Parce que si on lève toutes ces règles, après on n'aura pas les réflexes de gestion d'entreprise saine qu'on devrait avoir. Donc il faut quand même qu'on conserve ces règles. Vous dites que ces dispositions existent sur le papier avec les banques, mais de façon effective, elles sont opérationnelles? Alors nous justement, on s'est rendu compte qu'elles sont plus ou moins opérationnelles et que ça dépend, c'est très hétérogène de par exemple d'une wilaya à l'autre. Donc on a demandé dans nos conventions d'avoir une personne ressource dans ces banques-là pour que quand nos membres font face à soit un refus, soit un blocage, mais qu'on ait une réponse très claire. Parce que c'est ça là où on a un souci de communication. Alors Monsieur Mouskandar, moi je voudrais revenir avec vous un peu sur les perspectives d'avenir de ces jeunes qui représentent l'avenir de l'Algérie. Et en décembre, le 3 et 4 décembre prochain, vous organisez le sommet après pétrole. Vous allez axer un peu, au lieu d'être dépendant du pétrole, il faut un peu s'orienter sur l'intelligence des jeunes. Qu'est-ce que vous entendez exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire, ce sommet? Alors ce sommet que le FCE porte, donc sous le patronage du président de la République, a pour objectif d'un double constat. En fait, on a un constat local qui est que l'Algérie est encore très dépendante du pétrole et du gaz. On a plus d'un tiers de notre PIB qui est dépendant de ce secteur. On aimerait diversifier notre économie pour être moins dépendant de ce secteur. Deux, il y a un nouveau paradigme international, un nouveau modèle qui est en train d'émerger, celui d'une nouvelle économie, qui est fondée justement sur ces métiers de l'intelligence, sur l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets. C'est plein de nouveaux concepts qui sont en train d'émerger et qui changent radicalement nos modes de production et de consommation. Donc avec ce sommet, on aimerait justement, comme vous l'avez bien indiqué, avoir pour objectif, et débattre sur ce sujet, avoir pour objectif de, quand on parlera d'Algérie dans 5-10 ans, on ne pensera plus directement au pétrole, on pensera plutôt intelligence et jeunesse. On a eu plein d'événements récents, comme le hackathon du docteur Hattani, où on a vu des jeunes qui programmaient des solutions en 54 heures. Si vous avez pu assister à ça, vous seriez très rassuré sur notre capacité, la capacité de notre jeunesse de créer des solutions et d'attaquer des marchés mondiaux. Donc nous, on veut mettre en avant ces métiers-là. Ça a été mis en avant lors du forum sur la Smart City. Oui, alors c'était une vraie réussite ce sujet, parce que un des objectifs de la Smart City, c'était de redonner confiance aux Algériens, en leur jeunesse et en leurs jeunes entrepreneurs. Il y avait un des thèmes de l'émission d'aujourd'hui, c'est les jeunes ont-ils l'esprit d'entreprise? Je peux vous dire que oui, en Algérie, il y a un vrai esprit d'entreprise des jeunes. Il faut certes encore guider certains sur certains sujets, mais l'esprit d'entreprise est là. D'ailleurs, parfois, il se manifeste par des activités dans l'informel.
Mais quoi qu'il arrive, l'esprit d'entreprise existe. Nous, demain, ce qu'on aimerait, c'est que tous ces jeunes-là et ces cerveaux, plutôt que de faire le bonheur des grandes villes tech comme la Silicon Valley, Paris ou autres, restent en Algérie et créent des solutions qui vont pouvoir révolutionner un petit peu les usages de consommation. Si on voit sur la blockchain, aujourd'hui, le Dr Hattani est en train de lancer des projets en Algérie. C'est une nouvelle technologie, donc la blockchain qui permet de faire du stockage de données, de la transmission de données un peu décentralisée. C'est la base de la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est une nouvelle technologie. Ben, on a la chance en Algérie de pouvoir se positionner directement sur cette technologie. On parle de frog leap, saut de grenouille, c'est-à-dire plutôt que passer par toutes les étapes de développement, on se positionne directement sur les dernières technologies et on essaie d'affirmer nos avantages comparatifs sur ces technologies. Donc le vrai but de ce sommet, où il y aura aussi un village des innovations internationales, c'est de positionner l'Algérie sur la carte internationale de la nouvelle économie et qu'on puisse être émerger comme un des leaders de cette économie. Alors ce sera le 3 et le 4 décembre prochain. Mais la digitalisation et la numérisation, est-ce qu'elle offre beaucoup d'opportunités aux jeunes aujourd'hui, monsieur Skandal, de façon effective, puisque nous avons vu l'émergence un peu de l'économie numérique, malgré le fait qu'on s'assoit un peu, parfois par rapport à la législation, un peu délicat, mais les jeunes ont réussi à détourner certaines dispositions existantes. Exactement, ça c'est le propre des jeunes, c'est de savoir s'adapter au cadre et à l'environnement et d'évoluer avec. Alors le cadre législatif évoluera et évolue selon les pratiques, mais les jeunes n'ont pas à attendre une évolution radicale et plutôt s'adapter. Aujourd'hui, il y a une émergence de sociétés dans le digital, le numérique, pour éviter l'anglicisme, qui laisse penser à un vrai potentiel sur ces sujets-là. Hein. Dans la dématérialisation de certains services, donc bien sûr le transport, la location de chambres d'hôtel, on a plein de services qui sont en train de se développer, et je pense que vu la jeunesse de notre population, la qualité de la formation sur ces sujets-là, si on prend les écoles comme l'ESI, dont 80% des étudiants partent à l'étranger malheureusement, mais qui ont un vrai potentiel, je pense que c'est un relais de croissance immédiat et simple à adopter que ce thème de la digitalisation. Mais par rapport justement et les jeunes et l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises par les pouvoirs publics, à savoir par rapport au marché public, c'est accordé, ou la commande publique accordé 20% de ces marchés au profit des jeunes. C'est une réalité ou c'est un leurre? Est-ce qu'on l'applique concrètement sur le terrain ou pas du tout? Ah ouais, c'est une autre question parce que... ces textes existent et on connaît des personnes. La volonté existe aussi. Existe aussi, voilà. Et on connaît des personnes qui ont pu, enfin des jeunes entrepreneurs qui ont pu en bénéficier. Par contre, ce qu'on nous remonte, nous, hein, donc ça c'est un constat, c'est que l'application n'est pas homogène sur tout le territoire. On a des wilayas qui nous disent nous, on n'a jamais bénéficié de ces 20%, comment on fait? D'autres qui nous disent si, nous, on a des personnes en face de nous qui ont vraiment appliqué cette règle et qui nous privilégie dans les accès au marché public. C'est quelque chose qu'on. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne décision pour mettre le pied à l'étrier des jeunes sociétés algériennes. La décision a été prise, maintenant il faut qu'on travaille beaucoup sur son application. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Comment peut-on entreprendre et s'engager dans des risques quand on sait que notre économie est instable et que pour avoir des marchés ou des contrats, il faut avoir des connaissances, il faut être pistonné? Quel est votre commentaire justement par ça? C'est des questions qui sont posées tout le temps par les jeunes. Ah, exactement, ça revient très souvent, c'est un leitmotiv un peu chez une partie de la jeunesse. On n'a pas accès, on n'aura pas accès. Et moi, je veux dire que c'est faux. Enfin, je sais que je vais me faire attaquer en disant ça, parce qu'on va dire tu nies la réalité et tout ça. Non, c'est pas vrai. Parce que vous êtes à l'FCE, vous êtes avec le FCE. Ils vont dire ça. Oui, ils peuvent dire ça, ils peuvent dire vous avez accès, mais nous, le GFCE, enfin, moi j'ai adhéré, je, comme tout le monde. Et on a décidé de fonder ce GFCE, donc c'est une initiative. Et de la même manière, on invite les jeunes à porter ces initiatives. On nie pas les difficultés. C'est-à-dire que nous, justement, on est là, on a été créés pour essayer de les lever tous ensemble. Mais l'état d'esprit est très important. Si dès le départ, on s'auto-convainc qu'il n'y a aucune possibilité, et qu'après un ou deux échecs, ben, on se dit finalement c'est impossible, on n'ira pas plus loin. Donc nous, je vous ai dit, on a des jeunes... GFCE qui n'avaient aucun contact et qu'on suit et qui sont en train d'émerger et de grandir vraiment. Hein. On a une jeune, là je parle encore avec une jeune membre qui a créé un service de délégation médicale pour les entreprises qui ne souhaitent pas développer d'équipe commerciale. Ils peuvent l'externaliser chez elles
Elle a commencé toute seule et c'est une entreprise en train de grossir et elle accumule les contrats aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés sur, par exemple, les entreprises qui réussissent aujourd'hui? Le nombre? Alors, nous, on n'a pas d'indicateur spécifique sur l'âge de l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on devrait demander au CNRC, peut-être qu'on pourrait l'obtenir. On a le taux de création et de réussite générale, toutes entreprises confondues. Par contre, c'est vrai qu'on a encore un manque de statistiques. Nous, on avait fait une enquête où on a demandé à nos membres la part qui avait échoué dans leurs entreprises. On avait relevé un taux, je pense, de 30 à 40% d'échecs, hein, c'était dans notre panel à nous. Mais maintenant, ce n'est pas une donnée nationale, c'est une enquête que nous-mêmes on a menée auprès de nos membres. Échec, 30 à 40%, c'est quand même relativement élevé. C'est très important. C'est élevé, mais. Alors qu'on parle de mortalité, quand on voit les statistiques de l'ANSES, le niveau de mortalité est en train de baisser, c'est à moins de 10%. Mm-hmm. C'est vrai. Alors, ce chiffre est à prendre avec du recul. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles nous ont parlé de leurs échecs, mais elles ont recréé des sociétés. Ça veut dire que elles ont perdu une, elles en créent une autre. Exactement. Et c'est ça qui c'est ça l'attitude à avoir, c'est de d'améliorer son concept. Quand on a demandé quelle était la raison de l'échec, d'ailleurs, on a les statistiques. On a une grande majorité qui a 60% de ce qu'ils nous ont dit, un problème de financement. Mais il y a une autre partie, c'était 25%, je pense, qui nous ont expliqué qu'ils étaient mal positionnés sur le marché. Donc ces 25% ont pris conscience eux-mêmes. Qu'ils étaient, le produit qu'ils offraient ou le service qu'ils offraient n'était pas adapté au marché. Donc sur ces 25, on peut voir qu'il y a une prise de conscience et c'est des personnes prêtes à se relever, ces personnes-là. Parce qu'elles se disent, elles se disent pas les facteurs sont exogènes et je peux rien faire, non, elles se disent peut-être que ma démarche n'était pas la bonne et que je peux adapter mon produit et me relever. Mais est-ce que pour réussir, il faut avoir une meilleure connaissance du marché algérien? Est-ce qu'il est un des plus durs et des plus difficiles, tel que c'est rapporté aussi par les instances internationales, ce scandale pour les jeunes? Bien sûr. Alors, j'estime que le marché algérien, c'est au contraire un marché plein d'opportunités. On a... Tout est à faire. Voilà, exactement. Ça veut dire que moi-même, j'ai créé ma société il y a à peu près 5-6 ans. J'ai un taux de croissance que je n'aurais pas eu en Europe, par exemple. Donc, je suis un peu le témoin de ce potentiel. Maintenant, il y a des aspects du marché algérien à prendre en compte. Ça veut dire que quand on est jeune entrepreneur, il faut pouvoir se mettre à niveau de tous les aspects administratifs et règles, la fiscalité, tous ces aspects-là. Il faut parfois, on peut être bloqué sur certaines décisions administratives dans certaines régions, tous ces aspects-là, mais il faut pas, il faut mettre ça en balance avec le potentiel du marché. C'est-à-dire que la taille du marché, l'aspect vierge du marché sont suffisamment grands pour combattre et se battre contre ces barrières. Mais est-ce qu'il y a des modèles d'exemples de pays dont on pourrait nous inspirer? On parle beaucoup du modèle, par exemple, turc, qu'on connaît un peu mieux par rapport à l'exportation et par rapport à la micro-entreprise ou l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a la Tunisie actuellement également qui est en train d'émerger sur ce plan. On parle des pays de l'Asie, on parle des pays exemples des États-Unis, mais on ne pourrait pas se comparer parce que c'est le capitalisme pur et dur. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, nous inspirer de certains modèles de réussite à travers le monde et montrer ces exemples de réussite et peut-être les reproduire chez nous, monsieur Skandal, pour les jeunes? Bah, c'est vrai, il faut toujours voir ce qui se passe ailleurs, essayer de s'en inspirer. Les modèles que vous avez cités sont des bons modèles. On a la Turquie, par exemple, qui n'exportait pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui est un très grand exportateur, où il y a eu des programmes. Hein, c'est un modèle d'orientation stratégique, hein, de l'État lui-même qui a voulu se saisir de ce sujet de l'exportation. Vous avez même la Russie, avec la Coupe du Monde, on découvre une Russie différente de ce qu'on connaissait à travers les médias européens. Ah oui, la Russie, ils ont même sur les aspects technologiques aujourd'hui, on a des champions russes sur les technologies qui émergent. Il y a un pays qui est intéressant à regarder parce que c'est pas du tout le pays auquel on penserait qu'on va dire cadre propice et favorable au développement des startups, c'est la France. Parce que la France est connue pour ses lourdeurs administratives, pour sa bureaucratie. On a hérité ça de la France. Oui, d'ailleurs, on a sûrement hérité une partie de ces travers. Mais il se trouve que ces dernières années, alors malgré ce contexte plutôt défavorable, la France a réussi à faire à émerger une certaine génération de start-up via des dispositifs. On connaît
dispositif de la French Tech qui a essayé de créer l'écosystème favorable justement à ces startups avec des incubateurs. Au début, on parlait un petit peu de gadgets, on disait bon, c'est des incubateurs, c'est pour un peu montrer patte blanche, tout ça. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, on a des champions en France qui émergent. Et je pense que s'ils l'ont fait de l'autre côté, on peut vraiment le faire, nous aussi, en Algérie. Est-ce qu'il faut orienter les jeunes vers, par exemple, des secteurs de production comme l'agriculture, l'industrie et également l'agroalimentaire? C'est la question de l'auditeur, monsieur Skandal. Ah oui. Tout est à faire dans ce domaine-là. Ah oui. Ça, c'est un domaine. On a des membres, nous, l'IFCE, qui sont actifs dans l'agriculture. Et d'ailleurs, qui sont en train de développer des approches vraiment professionnelles d'agriculture. C'est-à-dire que non seulement ils gèrent leurs exploitations comme des vrais chefs d'entreprise, mais en plus, ils introduisent des nouvelles techniques. On parle d'agriculture de précision aujourd'hui. C'est placer des capteurs sur son terrain, c'est repérer les stress hydriques, c'est essayer de mesurer les besoins en fertilisant sur chaque, au niveau intra-parcellaire. Chaque parcelle et c'est des techniques d'ailleurs qui aux États-Unis, comme on en parlait tout à l'heure, qui aux États-Unis ont permis d'augmenter les rendements par 5-6. Donc en Algérie aujourd'hui, détourner les contraintes et la pénibilité, oui, en plus c'est par vrai la technologie. Voilà. Donc je suis sûr qu'en Algérie, les jeunes, s'ils s'intéressent un peu plus au secteur de l'agriculture, nous pour vous dire, nos membres qui sont intéressés au secteur et qui commencent à travailler dessus sont en train de faire des choses merveilleuses et ont des retours sur investissement exceptionnels, hein. Mais c'est encore très limité en termes de nombre, voilà. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, monsieur Skandal, pourriez-vous nous parler du Business Angels? Est-ce que ça existe en Algérie pour financer les jeunes pousses? Oui, alors le Business Angels, c'est un chaînon très important dans le financement des jeunes entreprises. En général, on commence avec ses fonds propres, celui de la famille, et très vite, on a besoin de fonds extérieurs. Et le Business Angels est la première étape avant d'aller vers des fonds d'investissement et autres. Le Business Angels, c'est vraiment comme... on en parle un petit peu, c'est un particulier qui a des fonds, qui a lui-même réussi, on va dire, entre guillemets, et qui décide d'investir ses fonds dans des startups. En Algérie, ça existe, mais ce n'est pas formalisé, c'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont investi dans des startups, mais ils n'ont pas encore conscience de leur statut de business angel. Ça, nous, on veut travailler vraiment dessus, au JLFCE, c'est-à-dire qu'on veut mettre en relation des investisseurs, des business angels, des porteurs de projets, mais surtout... aider les jeunes à structurer leur discours pour convaincre ces business angels. Alors, un autre auditeur qui dit, ça existe, mais pour un petit groupe fermé, il faut avoir de la ma'arifa, sinon vous n'atteignez pas ces personnes. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? Ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment un club fermé? Alors, justement, nous, ce sujet de la ma'arifa, on a peur que les jeunes qui ressassent ce sujet s'enferment dans cette peur, en fait. Hein. C'est-à-dire que on a des concepts, on a un mauvais concept qui est celui de la ma'arifa, on a un qui est très beau, qui est celui du réseau et du network, comme on dit en anglais. Les Américains parlent de networking. Et le networking, c'est créer son réseau de contacts et d'informations. Ça veut dire que tous les contacts peuvent être bons à prendre. Ça peut être un chef d'entreprise, mais ça peut être aussi un vigile dans une entreprise qui a de l'information, ça peut être un consommateur. Nous, on pousse les jeunes à créer leur réseau et à ne pas s'enfermer dans cette crainte de se dire que c'est réservé à une élite. Alors, combien d'entreprises pourraient être créées? Est-ce qu'il y a des estimations qui ont été faites? Ou pas? Alors, du tout? Par les jeunes? Voilà, nous, aujourd'hui... Dans l'entrepreneuriat. Alors même... On voit que les femmes émergent énormément dans l'entrepreneuriat féminin ces derniers temps, même si les chiffres restent minimes. Nous, en tous les cas, c'est vrai qu'on a une bonne représentation de femmes au JLFCE. Pour la création, en Algérie, en fait, on crée à peu près moins de 20 000 entreprises par an. Hein. Et nous, on estime que le minimum serait de doubler ce chiffre pour au moins enclencher ce cercle vertueux de la création d'entreprise. Les jeunes vont les créer, et les femmes aussi, parce que beaucoup de femmes réussissent très bien l'entrepreneuriat, contrairement à ce que certains pensent. Alors, moi j'ai envie d'être entrepreneur, mais je n'ai aucune économie ni moyens financiers. Est-ce possible? C'est les idées qu'on finance, c'est pas le... Exactement, oui. Mais tout l'enjeu, nous... c'est les idées. Voilà, c'est de créer l'écosystème qui permet à un jeune qui a une bonne idée, qui a de la motivation, qui a les compétences techniques, de pouvoir créer son entreprise. Cet écosystème, c'est celui dont on parlait, c'est d'avoir... Tout part d'une idée. Exactement. Même à la radio. C'est l'idée et la persévérance. Nous, on veut créer l'écosystème. Cette personne qui a demandé est-ce que je peux créer mon entreprise sans économie, moi je l'invite à étudier son marché, à faire un business plan, c'est-à-dire même si elle doit acquérir le savoir-faire pour le faire,
mais qu'elle est un document de référence qui prouve par A plus B à un investisseur que son projet a un potentiel. D'ailleurs, elle-même va structurer son idée en le faisant. Donc une fois qu'elle aura ce document avec des états financiers prévisionnels, une étude de marché, tous ces aspects-là, elle pourra aller lever des fonds et elle pourra aller même dans son entourage aller lever des fonds. C'est quelque chose, c'est un outil assez efficace. Alors dans GLFCE, est-ce que vous êtes un club fermé, vous êtes ouvert à tous les jeunes porteurs de projets? À nous, on a aucun critère de sélection pour entrer, c'est-à-dire qu'on a des chefs d'entreprise aujourd'hui, comme si on prend l'exemple de Samy Agli qui gère des entreprises avec un chiffre d'affaires en millions. On a aussi des entreprises qui n'ont qu'une personne dans leur effectif. Donc on n'est pas du tout un club fermé. Notre objectif, c'est de représenter tous les jeunes entrepreneurs, du jeune étudiant qui vient d'être diplômé au grand capitaine d'industrie. Alors, M. Mohamed Skandar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio à la veille, bien sûr, de la fête nationale des jeunes à l'occasion du 5 juillet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de courage et bonne chance dans ce que vous allez entreprendre. Et adieu à notre ami et collègue Abdou Zerwani.